Salut les amis, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nouveau training, training numéro 23, un training super extra, il est comme ça, je viens tout juste de le terminer, tu peux voir que le brushing, bon, il va falloir le refaire, très intéressant pour deux raisons majeures, tout d'abord, c'est un training que l'on va effectuer en AMRAP, alors si tu sais pas ce que c'est qu'un entraînement en AMRAP, sache que c'est très intense et que, en cliquant ici sur la fiche, tu as accès à une vidéo avec un jeune homme très charmant qui va t'expliquer quels sont les intérêts de s'entraîner en AMRAP. Le deuxième point intéressant, c'est que enfin, depuis tant que j'en parle, on va intégrer du matériel dans nos trainings, ce qui fait qu'on va travailler plus intensément certains muscles. Alors, comment ça va se passer au niveau du contenu? C'est très simple, c'est un training qui dure 12 minutes et pendant lesquels on va enchaîner 3 exercices. Ces 3 exercices représentent une série. Quand tu as fini ta série, tu repars du début et tu enchaînes comme ça pendant 12 minutes. Le but étant de faire le plus de séries possible. Alors, les 3 exercices, ils sont très simples. Ce sont 3 tractions en supination suivies de 9 pompes et de 15 squats sautés. Au niveau des répétitions, c'était 3, 9, 15. J'ai choisi ces nombres-là par rapport à mon niveau personnel. D'accord. Si tu peux faire plus pendant 12 minutes, n'hésite pas. Tu fais par exemple 5 tractions, 12 pompes, 20 squats sautés. Fais-le à ton niveau. Si tu ne peux pas faire autant de répétitions, ben, tu fais une traction, 5 pompes et 10 squats sautés. Et enfin, au niveau des exercices, si tu ne peux pas faire des tractions complètes, fais des tractions assistées. Hein, tu te mets sur une chaise, tu sautes et tu fais juste la descente. Si tu ne peux pas faire des pompes complètes, jambes tendues, tu fais des pompes genoux. Et si tu ne peux pas faire des squats sautés, tu fais des squats sans le saut, tout simplement. Ne pas hésiter à s'adapter, d'accord? Ceci est une idée, c'est un squelette que je te donne. Après, mets-toi à ton niveau. Alors, personnellement, j'ai fait exactement 8 séries plus 3 tractions et 8 pompes. Voilà, ça va pas être très difficile de me battre. Au niveau du cardio, j'étais déglingué. Donc, tu prends ta bouteille d'eau, tu prends ta serviette. Pas la peine de prendre un chrono. On enchaîne tout de suite. Maintenant, on s'entraîne ensemble. C'est parti.